Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez notre podcast radio vipradioonline.fr depuis la citadelle de Sisteron qui est située face au rocher de la Baume et dont les strates sont presque verticales. Au sommet de cette citadelle, nous avons le donjon du XIIIe siècle, prison du prince Jean-Casimir de Pologne qui avait comploté à l'époque avec l'Espagne contre la France. Vous pouvez y retrouver également donc dans ce donjon au premier étage le logement des servitudes, au deuxième étage le cachot du prince. Ce donjon est appelé également la tour du horloge. Une horloge y fut mise en place en 1402, elle marquait 24 heures puis fut réduite à 12 heures. Dans cette citadelle, nous avons également la chapelle Notre-Dame du Château du XVe siècle qui a été désacralisée pour être reconvertie en boutique. Cette citadelle de Sisteron est un monument historique, œuvre de Jean Hérard, précurseur de Vauban et ingénieur d'Henri IV. Nous y trouvons également des cavernes du XIXe siècle qui protégeaient les soldats de la garnison contre les tirs ennemis, le théâtre de verdure en plein air qui accueille chaque été le festival des nuits de la citadelle, notamment pour le théâtre, la danse, la musique, etc. Je vais vous donner quelques infos que j'ai sur la brochure de Lucide de la Citadelle quand nous avions effectué ce reportage radio en images. Donc, dans la face nord de cette citadelle, vous pouvez voir le grand retranchement du XIXe siècle, donc avec les cavernes, comme je vous disais, les abris à poudre, la guérite du diable, l'escalier souterrain, les casemates, la poudrière, donc tout ce qui concerne la poudre. La poudrière a été bâtie par Vauban. La poterne dans le rocher également. Et en face sud de la citadelle, nous avons la première enceinte et la deuxième enceinte du XVIe siècle. La citerne du XVIe également. Le chemin de ronde qui date du XIIIe siècle. Le donjon également, XIIIe siècle. Et la chapelle Notre-Dame donc du château qui date du XVe siècle. Voilà. Concernant les infos pratiques, la citadelle est ouverte tous les jours, d'avril à novembre. Plus d'infos sur le www.citadelledesisteron.fr. Et lors de notre reportage, donc pour l'été 2022, les tarifs étaient de 6,80 € pour les adultes, les enfants de 6 à 14 ans 3 € et à partir du deuxième enfant 2 €. Et pour les groupes, à partir de 10 adultes cependant, c'est 5,80 €. Voilà. La durée de la visite est d'environ 1h30. Voilà, vous savez tout à propos de cette citadelle de Sisteron, tout ce qu'on pouvait vous dire en tous les cas. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour de prochains podcasts.